Bienvenue à l'épisode 29 sur NHL 19, on continue. Le mode devient pro, aujourd'hui on joue contre les Kings de Los Angeles, on va essayer de mieux jouer. J'ai été rétrogradé en deuxième ligne aujourd'hui, on va essayer de tout refaire pour revenir en première. Ça ne devrait pas être très long, on débute ce match-là assez rapidement tout de suite. Voir ce que ça peut donner aujourd'hui, si on peut bien jouer. Dans les matchs, on a quand même bien joué malgré tout. Mais du coup, si je joue pas tous les matchs, je simule entre les deux, donc c'est pour ça qu'elle a été rétrogradée un petit peu là. Bon, ça va pas être bien long, mais qu'on puisse vraiment débuter. On joue bien ce match. Bon, on continue maintenant. On commence, on joue à Los Angeles, justement, au Staples Center, où on essaie de bien jouer aujourd'hui. Bon, on gagne les mises au jeu en premier ici. La neuf qui me fait la pause. Je passe à Carlson là-bas ici, qui tire, c'est bloqué par Campbell ici. Je joue avec Horvat et Goldobin. C'est du passé à Goldobin ici. Et non, c'est pas lui qui l'emporte. Tire bloqué ici un petit peu par le gardien, par le bout du gardien, je veux dire. Oui, ça n'a pas totalement touché le gardien. Bon, on revient ici. On réussit toujours, là. Il y a quelque chose qui marche pas ici. Du clair qui tire, c'est bloqué. Clair qui est rendu avec les Kings, je ne savais pas. Carlson ici, et je m'en viens rapidement ici. Tire bloqué par Campbell. Supériorité numérique ici, et je suis encore sur la ligne en train de jouer. J'ai avec Boozer toujours ici, et l'autre joueur, Lilies et Peterson. Tire bloqué ici, Peterson qui récupère. Je tire ici, oh, c'est comme redirigé. Doughty qui va tenter de dégager. Et c'est réussi par Martinez. Martinez, moi j'ai mal dit, excusez-moi. J'ai Boozer, c'est plus Bezer, comme qu'ils disent. Tire ici. C'est bloqué par le gardien quand même. Tire, Peterson qui aurait pu récupérer. Il est quasiment récupéré, mais non. Dégagement réussi, il reste 30 secondes à la pénalité. Notre avantage numérique. Tire devant la rondelle qui récupère devant ici. La hauteur qui dégage ici. Il réussit sans problème. On vient ici. Je passe entre le joueur ici. Tire de loin. C'est bloqué quand même. Bon, je retourne au banc maintenant. Et non, on me l'a pas demandé, donc je reste ici. Kopitar ici qui... Oh, Peterson qui me fait la pause maintenant. Je reste ici. Tire bloqué, Boozer qui aurait pu. Essayer de récupérer, je n'ai pas réussi. Faneuf ici. Tenter quelque chose, ça n'a pas trop marché. On tire bloqué par Markstrom ici. Je récupère maintenant. Je passe à Bowser ici. Tire bloqué, c'est le but! 15e but pour moi cette saison. Pendant un petit moment, j'avais pas fait de but encore. Bon, je reprends tout de suite avec notre but et on continue le match maintenant. Numéro 91 centre ici. Avec numéro 26, c'est joué à la bouche. Je sais pas ce que les noms, excusez-moi. Remporté par les Kings, la mise au jeu juste ici. Faneuf qui récupère ici. Tire, c'est bloqué. Oh, retour, Carter qui n'est plus rien. Tire devant, c'est le but. C'est 1-1. Duclair qui a eu une belle occasion et en a profité pour faire le but. Je crois que c'est Duclair, je ne suis pas sûr. Je crois que c'est le numéro 12, finalement. C'est le numéro 12. Le but de Sherback, finalement, il y a des Carter et de Faneuf ici. Andy qui récupère ici, qui passe au numéro 26, qui se fait totalement détruire. Martinez aussi se fait détruire ici. Virtanen qui fait tout pour récupérer et fait une petite pause molle à Martinez ici. Sherbach qui monte ici en zone. À Duclair ici. Je sais pas s'il va faire quelque chose. Il ne fait rien, il se récupère par Stetcher ici. Oh, mais c'est bloqué encore derrière. Carter devant. Oh, Frédéric qui récupère finalement. Virtanen qui rentre en zone ici. Je sais pas s'il va faire un tir ou quelque chose. Il arrive, il tire, c'est bloqué. Oh, le but! Virtanen qui fait
mets ça 2 à 1. Maintenant, c'est mon trio qui entre en jeu ici. Bon, Amido, je vais remporter. Attention, pourquoi les joueurs ne regardent pas ce qu'ils font en entrant en zone? Je rentre droit et comme il faut et c'est quand même un hors-jeu ici. Bon, j'ai perdu la rondelle à cause d'un cafouillage offensif ici. C'est même pas récupéré. Oh, c'est récupéré finalement pour ce numéro 77. Horvat qui récupère. J'ai voulu tirer, mais je n'y suis pas arrivé. Bon, aucune aide de Horvat ici. Je crois qu'elle est venue m'aider quelque chose, mais non. Il faut que je fasse tout. Et des trucs comme ça, je ne peux pas faire des passes en main comme il faut. Il faut que je fasse tout. Bon, 11-4 de tir maintenant, une avance de temps d'attaque. Les Kings de 2049. Ils réussissent tous leurs passes jusqu'à présent. Toutes leurs passes, je veux dire. Nous, on est 90%, c'est pas si mal là non plus, mais on réussit pas tout. Bon, je suis au centre maintenant, en ce début de deuxième période. Je vais remporter ici. Bon, j'arrive ici. Horvat qui tire, c'est bloqué par Campbell. Bon, c'est 2-1 toujours pour nous. On va faire d'autres trucs bien ici, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. J'ai pas pris, j'ai pas vu ce qui se passait en fait. Donc, Dobbin ici qui récupère, c'est bloqué pareil. Essayer de tirer, j'ai pas le temps de tirer ici. Je n'y arrive pas, j'ai pas pu rien faire, ni tirer, ni passer comme il faut. Tire qui bloque finalement, qui est pas bloqué, mais qui ne rentre pas. Burchill tire le but! Une autre pause ici pour moi et un point pour Burchy. Je ne sais pas sa première ligne, mais je vais quand même faire des points au premier trio. Je crois qu'on fait quelque chose tout à l'heure avec Boozer, quelque chose comme ça. Charbert, Horvat. C'est de nous, de moi et de Horvat les pauses. Charbert s'est récupéré. Doughty, c'est 3-1 maintenant. Carter ici qui garde. C'est bloqué, mais Charbert prend le retour. C'est bloqué encore. C'était dangereux ce qui s'est passé. Burchy qui arrive ici à Buzzer, je ne sais pas qu'ils disent. Ici. Peterson tire. Oh! La barre verticale ou horizontale, je suis sûr des côtés. Bon, Sherbach ici qui sort bien en rondelle, qui passe Martinez. Et 91 qui arrive ici en zone. À Carter tire. Oh! C'est bloqué. Carter qui reprend la rondelle. Fait le détour. Forward ici. Kovalchuk qui tire. Oh! C'est. Oh! Retour. Carter qui reprend. Kovalchuk tire encore. Regardez-moi les jeux qui se passent ici dans notre zone. Ils sont toujours ici, le Kovalchuk qui est revenu cette année. Dans cette saison 2018-2019. Tanev qui rentre ici, 2019-2019, c'est bien ça. La saison passée, pas cette saison vraiment présente. Ozum fait la pause, tire sa rondelle est bloqué par le gardien, ça sort complètement. L'activité qui m'est lancée comme ça, je pourrais réussir des bons tirs, mais je n'y arrive pas. J'ai pas pu prendre le retour ici. Kopitar qui fait une bonne passe à son joueur. Entrée de zone ici. Kovalchuk. Oh! La rondelle qui ne rentre pas finalement. Tire, c'est bloqué par le bout. Horvati qui n'a plus récupéré. Oh, c'est intercepté ici. Je vais essayer de tout faire pour entrer en zone ici. Je passe complètement le côté, ça se rend. Je ne peux tirer malheureusement. Je dois me retirer au banc finalement. Juste ici. Et les Kings qui rentrent dans notre zone ici sans problème. Brown qui tire. Oh, c'est bloqué. En défaut. Par le gardien, je crois, je ne suis pas sûr. Pour y être ici, qui essaie de sortir la rondelle, c'est pas évident. Frederick qui rentre en. Qui sort de notre zone, qui arrive ici en zone. Je pense à Robert, tire. Oh, très puissant, mais aucune précision. Un peu comme moi, un peu comme mes tirs, réception moi-même. Horvat qui échappe un petit peu le disque, qui passe à Virtanen, qui passe à Frédéric ici, qui passe à Horvat. Oh, il fait avoir un tir, mais non. Horvat toujours aussi, qui récupère, mais échappe finalement. Et Horvat qui revient. Il revient derrière, il fait un petit tir vraiment dégueulasse à Virtanen. Frédéric et Horvat qui. Frédéric, oh, qui aurait pu prendre la rondelle juste avant la seconde, mais il restait pas beaucoup de temps. 16-11 les tirs maintenant avec le même temps d'attaque.
pourcentage de tir qui est monté un petit peu de 6% et de baisser beaucoup le côté quand même. Bon, maintenant on continue cette troisième. On commence cette troisième période, je crois. Et oui, on va essayer de bien jouer là aussi. Bon, je passe à Goldobin, si je n'y suis pas arrivé. Je passe à Goldobin le côté. Oh, ça se rend pas plus finalement. Tiens, si c'est bloqué par Campbell. Gardien qui était assez présent, j'aurais pu tirer un petit peu de côté. Ça aurait peut-être pu rentrer, mais non. Je vais essayer de passer à Carlson ici qui devrait tirer tout de suite. Horvat qui ne peut prendre un retour ici. Bon, il reste 7 minutes 3 à faire en troisième période. La début de période ne fait que commencer. On va passer au joueur côté de Tanev plutôt. Tire bloqué ici. N'arrive pas à reprendre malheureusement. Tout va pour réussir, mais je n'y suis pas arrivé. Je crois ici qui récupère. Oh, Duclair qui récupère finalement. Horvat qui arrive ici. La pause qui ne se rend même pas là. Je voulais pas la prendre, mais il l'a pris quand même le joueur. Une malheureuse bagarre juste ici là. On pouvait perdre quand même beaucoup de temps, c'est ici des bagarres et Horvat qui va sortir de la partie. Un petit moment, pendant 5 minutes. Horvat qui il pousse mais il ne le frappe pas. Première façon de se battre, ça là ici là. Pas extraordinaire, on pourrait dire. Horvat qui. Il frappe pas beaucoup sur Carter quand même. Regardez, les joueurs ne frappent pas, ils attendent, je sais pas ce qu'ils font. Carter qui est en train de frapper, qui bat Horvat sans problème ici. Pense que cette bagarre se termine comme ça juste ici. Défaite du joueur, des joueurs de notre équipe, mais c'est pas grave, c'est pas. Ça rapporte pas grand chose au fait. On joue pas si mal aujourd'hui, on joue quand même bien. J'ai 2 points seulement. J'ai quand même 2 points, c'est pas si mal. Tanev ici qui récupère pour sa Peterson. Buzzer qui échappe la rondelle. Buzzer qui arrive ici. Il passe à Peterson. Si, c'est bloqué, mais il aurait pu avoir un but là-dessus. Là. Sherbach qui rentre en zone ici sans problème. Passe numéro 12. Introduit par Eric Carlson en haut ici. Il est rendu avec nous à Vancouver. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un bon joueur avec nous. Tanev qui arrive ici. Oh, Burchie qui récupère à Buzzer. Burchie. Peterson. À Buzzer qui a failli reprendre la rondelle et tirer. Mais non, il n'y arrive pas. Tire bloqué ici, Markstrom qui bloque la rondelle et conserve. Bon, mon trio maintenant qui revient. On va sortir de cette zone. Avec Goldobin et Horvat ici. Tire ici bloqué par Campbell. C'est pas un tir extraordinaire non plus. Mais c'est un tir. On avance pour passer maintenant. On va passer à Tanev derrière. Avec Carlson. Je vais pas la mise au jeu pour une rare fois dans ce match. J'intercepte la passe de la rondelle de Duclair. Tire le but ici! C'est 4 à 1 maintenant. Et c'est mon deuxième but du match si je ne me trompe pas. Et j'ai une passe avec ça. Passe de Goldobin ici. Ouais, c'est ça, par Horvat ici. Je n'ai pas pu prendre la rondelle derrière, ça aurait été bien joué, mais je n'ai pas réussi. J'ai passé à Goldobin, mais ça n'est pas passé. Tir bloqué par Markstrom. Passe à Horvat ici. Tire le but! Premier tour de chapeau de ma carrière, je crois. Regardez ça tout de suite, on va regarder la célébration ici. Et oui! Mon premier tour du chapeau en carrière, juste ici. Il y a un match de 4 points aujourd'hui, c'était un bon match, là. Pas vu ce soir, c'est mon premier tour du chapeau en carrière. On l'a regardé quand même, c'est pas un but extraordinaire, mais c'est un but. Le but, c'est de faire des bons tirs voilés, c'est ça l'important. Mon premier tour du chapeau en carrière, c'est très très bien. Je suis fier de moi aujourd'hui. Un bon match, Horvat qui me fait une assistance en plus. Bon joueur ici. Je passe derrière à Pouliot, il est récupéré par Peterson devant. Patton.
Bulldog a tiré, mais c'était pas. Peterson qui prend le tour. Oh et non, il se passe rien finalement. Virtue derrière qui ne fait pas grand chose avec la rondelle en fait. Je trouve que c'est pas très bien joué quand il colle comme ça après la bande. Gauthier qui rentre en zone ici en attaque au Kopitar. À Toffoli, à Kovalchuk ici. Je sais pas s'il joue bien, je ne sais pas s'il y a beaucoup de points. Il pourrait aller vraiment son classement ces temps-ci. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Horton qui finalement récupère pas finalement. Beau jeu qui intercepte et il sort finalement de la zone. Birchie qui arrive en milieu de zone ici. Il va faire un petit cadeau, je sais pas. Peterson qui passe à Boozer derrière. Tu sais, c'est bloqué en défense. Bon. Tu sais, c'est Toffoli qui reprend le retour, mais il se passe rien. Je veux juste faire un tir sur le gardien, mais ça n'a pas marché. Je détruis Yafalo ici, en haut. Reste devant ici, toujours. Pouillard derrière qui fait un petit peu de cafouillage. Il fait une pause de merde encore. C'est Victor. Oh, je pensais pas qu'il allait garder de prendre ça ici. C'est 5 à 1. Ici, il reste 0,7 secondes. Ça va être une victoire de 5 à 1. Aujourd'hui. Tire ici bien simple dans, à la gauche du gardien dans, du côté de la mitaine. On a gagné la dernière mise au jeu du match. Et c'est une victoire de 5 à 1 ici. Je dois être la première étoile avec mes 4 points. Mon premier tour du chapeau en carrière aujourd'hui. Vraiment bien joué aujourd'hui. 3 buts, une assistance et 2 points pour, 2 passes pour Horvat ici. Et on a 23-16 et c'est quand même pas si mal. 9 minutes 21 de temps d'attaque, c'est très très fort ça. C'est 9-21, c'est très très fort. Et on revient maintenant ici. Je crois que ça va pas mal être la fin de l'épisode aujourd'hui, donc bon, je dirais pas pour l'instant. On va attendre d'en avoir un peu plus que ça. Donc, comme ça, vous avez regardé cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis salut et à la prochaine. Salut tout le monde!